L'Uchronie est un sujet fascinant. Réfléchir à comment l'histoire aurait pu se dérouler différemment, à quoi notre monde aurait pu ressembler si un ou plusieurs événements ne s'étaient pas passés de la même manière que dans notre histoire est assez intéressant. En parallèle de mes vidéos où je parle de notre histoire, la vraie ou de tout autre sujet dont j'ai envie de parler, c'est ma chaîne après tout, hein, je vais sortir des épisodes dans lesquels je présenterai un scénario uchronique. Je dois quand même dire que bien que je compte faire autant de recherches que possible à chaque fois, je ne peux pas prétendre énoncer des vérités absolues. L'Uchronie est un sujet délicat qui dépend de l'interprétation et de l'imagination de chacun. Ces uchronies seront influencées par mon interprétation des événements et pourront ouvrir la voie à des débats fort intéressants que j'attends avec impatience dans les commentaires. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Cette vidéo est juste pour vous informer, je suis enfin de retour pour vous présenter ce concept et vous parler de l'évolution de cette chaîne. Oh, et le titre de la série, Le poids de la sauterelle, vous aurez sûrement reconnu que c'est une référence à l'œuvre de Philip K. Dick, le maître du haut château, pilier de la littérature uchronique, un récit situé dans un monde où les pays de l'Axe ont gagné la Seconde Guerre mondiale, et où un auteur écrit un livre, baptisé Le poids de la sauterelle, qui décrit un monde où les alliés ont gagné la guerre, ce qui en fait de l'Uchronie dans l'Uchronie, ou Uchronie au carré. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine, et que la force soit avec vous.